nouveau premier ministre en Guinée-Conakry, pas premier ministre par intérim. Hein. Si vous pensez que c'est un premier ministre par intérim, vous vous trompez. C'est un nouveau premier ministre qui est là. Une manière de chasser Kassourou Fofana. Kassourou Fofana, il a été chassé, c'est fini. Hein. Mouktar Diallo était là, il a fait le troisième mandat en disant que c'est Alpha Condé qui peut et c'est lui qui pourra. Non, Bichan, il y a trop de temps. Non, pas de minger. Il n'y a pas de minger. Non, pas de minger. Non, pas de minger. Non, pas de minger. Voilà, c'est l'enfant de Kania, l'avocat international de son excellence Elhadji Mamadou Senou Dalein Diallo. Ami, allô? Arrêtez, yéouteng, voilà le premier ministre Kesso Aridon. Comment est-ce que vous avez? C'est le bébé. Il faut 1000 francs, il y a trop de costumes. Merci pour les commentaires, merci. Vous savez, moi j'ai dit, troisième mandat n'aura jamais longue vie. Vous savez, il y a un sérieux problème là-bas. Toutes les personnes qui ont soutenu le troisième mandat du dictateur criminel Alpha Condé, aujourd'hui ils sont où? Mouktar Diallo était là en disant qu'il y a Baraguelandé. Avec lui, Baraguelandé, il est où aujourd'hui? Est-ce qu'il est en Guinée? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'il est en Guinée? La question qu'on doit réellement se poser, il est où aujourd'hui? Kassourou Fofana, lui aussi, il est parti comme ça. Sa maman est décédée. Il était toujours premier ministre. Oui, ça gringri moulel. Kassourou Fofana, sa maman est décédée. Quand sa maman est décédée, il était toujours premier ministre. Sa fille est décédée. On dit Mohamed Diané, le nouveau premier ministre par intérim. Kassourou Fofana, lui, il est parti. Je vous ai toujours dit que c'est un pouvoir malinqué. C'est un pouvoir malinqué. Aujourd'hui, vous avez vu, c'est Mohamed Diané qui est encore venu. C'est Mohamed Diané qui tue les gens. C'est lui qui organise tout. C'est lui qui organise tout. Aujourd'hui, encore que c'est lui le premier ministre. Vous n'avez rien vu d'abord. Moi, je vous ai dit depuis longtemps, rien ne va entre eux là-bas. Ça commence à s'exploser. Sinon, Kassourou Fofana est en deuil. Dans les conditions normales, si ça allait très bien entre eux là-bas, il n'y aurait eu jamais... Ils n'allaient même pas remplacer Kassourou Fofana par quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a les autres ministres là-bas. Mohamed Diané, lui seul, il est le ministre d'État. Il a le portefeuille de l'État. Il est le ministre d'État. Il est le ministre chargé aux affaires présidentielles. En même temps, premier ministre par intérim. Vous savez combien de fois ça fait mal? Un pays comme la Guinée, si ce n'est pas la corruption, c'est la corruption. C'est ce que les malinqués qui sont là. Il faut qu'on accepte de dire la vérité. Mais quand tu parles, on dit que tu es un ethno. C'est ce que j'ai dit aux gens. Moi, je ne suis contre aucun mouvement de la Guinée-Conakry. Tout mouvement qui lutte contre Alpha Condé, je suis d'accord avec ce mouvement. Mais par contre, si les communicants de ce mouvement s'attaquent à Senou Dalein Diallo, je ne vais jamais tolérer. Donc, tolérance qu'au zéro. Naïmé aussi croirait peut-être l'encontre tel mouvement. Ming adversaire en Oko, c'est Alpha Condé. Senou Dalein Diallo, c'est mon président. N'importe quelle personne, est-ce qu'on est négoto en attaque Senou Dalein Diallo, Haré Lania Kondamé. Hakundeng Allah n'a pas gagné. Parce que Ming Langandi, est-ce qu'on est négoto en attaque Senou Dalein Diallo, on critique moi. Parce qu'il y a des doutes, Mako. Pas Ming comme on est donc encore, on est négoto en droit Wonde. Pas Langandi, qu'on est militant IFDG, ou à Talan Soubande Koboni. Langandi ko woni o Senou Dalein Diallo ata lan subande ko boni kono si taw min lan ka Senou Dalein Diallo ngira ka Alpha Condé day naka dat versement on ka Alpha Condé yeggita Alpha Condé ara ata ka Senou Dalein Diallo dom ni jabantam donc ara toujours ko pouvoir malinqué. Tous les moyens sont bons pour lutter contre le dictateur. Tous les moyens sont bons. Donc moi je l'ai dit, je l'ai maintes fois dit, aujourd'hui on est là, on est là. Est-ce que vous avez vu, depuis Alpha Condé est venu au pouvoir, qui a vu un peu le Premier ministre? Qui a vu un sous-sous Premier ministre? Parce que les Youla, là, les Mohamed Youssouf, Mohamed Youssouf Fofana, là, les Kassourou Fofana, réellement, ils ne sont pas sous-sous. Hein. Ils sont considérés comme des malinqués. Mais déjà, c'est le troisième mandat, la division totale. La division totale. Vous n'avez encore rien vu. Vous avez soutenu le mensonge, vous allez tous mourir dans le mensonge.
Kassourou Fofana était là, Baragelanda, Baragelandi. Il est où aujourd'hui? La maman de Kassourou Fofana est décédée, il était toujours Premier ministre. La maman de Kassourou Fofana est décédée, il était Premier ministre. Il n'y a eu jamais, il n'a pas eu un décret disant que Kassourou Fofana doit être remplacé par Paul Pierre. Ici, la Guinée et la Côte d'Ivoire, Kassourou Fofana est là-bas. Nous, depuis longtemps, on sait ce qui se passe. Mais on n'aime pas trop parler. Quand on parle, ils disent que voilà, parce que toi, tu es ça, tu es de ce Luda Lengalo, ceci, cela. Ça ne va pas là-bas. Ça ne va pas du tout là-bas. Et puis, les gens qui pensent que le RPZ Arc-en-Ciel est en train de planifier une fois qu'Alpha Condé quitte le pouvoir ou une fois Alpha Condé décédé, le pouvoir va rester dans la main de RPZ. Ça ne marche pas. Parce que même aujourd'hui, à l'heure là, les forces spéciales sont tellement prêtes pour récupérer le pouvoir. Vous n'avez rien compris. Les forces spéciales de Mamadi Doumbouya, qui est actuellement à Forécaria, ils sont prêts pour récupérer le pouvoir. Un Alpha Condé meurt aujourd'hui. Vous pensez que c'est Mohamed Diané qui tape sa poitrine aujourd'hui, c'est lui qui va rester là-bas. Kourounon si Kourounon. Fendo, si vous avez peut-être si Alpha Condé est toujours RPG, nous planifions des filles de pouvoir, on a le pouvoir, on est Djungo Mabé, nous sommes Marsata, Et donc, on dit déjà force spéciale, on a des calom, Mamadi Doumbouya, on a des forces spéciales, on a des formations. Mais nous, c'est que tout est et palais du peuple, on dira, mais ta force spéciale dit pas Alpha Condé, il y a un terrasse. Mais nous avons dit que Mamadi Doumbouya. Kono haydon fendo don kadi drone no hore mabbe mo jano fi surveiller gol andugol mouvement ji mabbe din andugol ko no be woniri. C'est le pouvoir malinqué, c'est pas grave, acceptons de dire la vérité. Si me hali no ngare wobbe ne wo min ko metno min na metno de ko metno no ko soso jomi soutenir no mais programme ji dino don ko en wonu defandu gonga kam hande sa jetti si tu prends le premier faux dictateur Alpha Condé, il est malinqué, un burkinabé malinqué, le premier ministre Mohamed Diané un malinqué, ministre de la Défense Mohamed Diané, un malinqué, ministre d'État Mohamed Diané, un malinqué, ministre des Affaires présidentielles Mohamed Diané, un malinqué. Vous voulez qu'on se taise quoi, qu'on ne dise pas la vérité, qu'on ne parle pas. Ça ne marche pas, mon frère. Le RPG va mourir, Alpha Condé va dégager, on va récupérer le pouvoir. Moi, je vous dis ça aujourd'hui, n'oubliez jamais ça. Le jour qu'Alpha Condé va mourir, même demain, parce que vous savez, le vieil, il est fatigué, il est complètement épuisé. C'est pourquoi j'ai 1000% de l'espoir. J'ai 1000% de l'espoir. Et même ce qui se passe aujourd'hui, en voyant ce qui se passe en Guinée, on comprend automatiquement qu'Alpha Condé n'est rien, le RPG n'est rien, qu'ils vont tous partir. J'ai suivi une partie d'une vidéo de l'un des bambins du RPG Arc-en-Ciel qui dit qu'il est prêt pour partir en prison. Mimi ala non tigi mini nyande selouje di pouvoir mimi nati la Guinée on tigi yare watingol mo nay no godé comme warmo watine kono mi watintamo ara mi woné premier prisonnier c'est Luda Lengalo on famika on tigi be wadou dum don ka hore mabbe le jour qu'Alpha Condé va quitter le pouvoir ara taw ko c'est Luda Lengalo la mi payimbe élection mo mi halan nobe ben non si mi don watingol be ara toujours ko andu ara ina fure mabbe wattinte quoi hare yobe andu avocat international on nati leindi moi je sais ils sont aujourd'hui sans espoir. Ils savent qu'Alpha Condé il est épuisé. Ils ne font que droguer Alpha Condé. Un jour subitement on va entendre qu'Alpha Condé est décédé, qu'il est mort. On va voir maintenant comment ça va se passer. Donc, il y a toujours fait mes programmes. Je dis, Morlaï Silla n'est contre personne. Toute personne qui lutte contre Alpha Condé, tu es mon ami. Mais on ne peut pas lutter contre Alpha Condé. En même temps, vous êtes là à couper les pieds de ce Luda Lengalo. Là, je ne tolère pas. Notre adversaire,
C'est Alpha Condé. Depuis 10 ans maintenant, 11 ans maintenant, la Guinée, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a rien. C'est le pouvoir malinqué. Ne vous inquiétez pas. On a vu à Siguiri, il y a eu une manifestation à Siguiri. Les malinqués ont été très bien tabassés, très bien. La Haute-Guinée, les femmes malinqués, elles ont été très bien tabassées, très bien. Je dis Dieu merci. Parmi tout ce qu'Alpha Condé a pu faire, c'est le meilleur travail qu'il a pu faire pour l'avocat international de son excellence, et là, je m'amadou Selou Dalen Diallo. Partir à Siguiri, bastonner et piller, tabasser, tuer même les populations de Siguiri. Donc, non, Kebaïka, Ikabara, Nyumaleke, Alpha, depuis qu'Alpha Condé l'a, Kabara Minke, Bara Min, Doumani Mor, là, ici, là, ou Barale, Haute-Guinée, Kafo, le Alpha Condé. Awala Haute-Guinée, ka Haute-Guinée Molta, kal bastonner très très bien, kal bastonner très très bien. Donc voilà, c'est ça. Si vous voulez continuer à manifester, que vous allez, qu'Alpha Condé va électrifier la Haute-Guinée, il va créer de l'emploi pour la jeunesse de la Haute-Guinée. Vous pensez que vous êtes plus béni que les autres Guinéens de Conakry. C'est ce que vous pensez. Je vous dis, pour l'électrification de la Haute-Guinée, attendez que Selou Dalen Diallo arrive au pouvoir. S'il arrive au pouvoir, là, la Haute-Guinée sera électrifiée. La Haute-Guinée sera électrifiée. C'est moi qui vous dis ça. Vous pensez que c'est comme ça? Et puis Alpha Condé est parti, il a tabassé les femmes de la Haute-Guinée, des Sigrin, je ne sais pas, de Fulata. Il les a bastonnés très bien. C'est là-bas qu'il a travaillé. C'est le pouvoir malinqué. C'est vous qui avez dit que Kempel ne sera pas président en Guinée. Que Selou Dalen Diallo est Kempel. Ce n'est pas vous qui avez dit ça. Il n'y a pas de problème. Vous avez dit ça, vous avez l'intérêt. Kassourou Fofana, aujourd'hui, il est où? Troisième mandat, c'est troisième Nambara. Le dictateur n'a confiance à personne. Il y a des sérieux problèmes là-bas. Allons seulement. Mais nous, que ça soit très clair pour vous, nous allons récupérer ce pouvoir. Et le jour que Morlaï Silla va rentrer en Guinée, déjà ces personnes se connaissent. Elles se connaissent. Vous serez enterrés vivants. Vous serez enterrés vivants. Là, je vous dis ça des... Je serai le premier prisonnier de Selou Dalen Diallo. Parce que ces gens-là... Et puis, ils sont tous peuls. Hein? Ils sont tous peuls. Ils ne sont pas soussous ni malinqués. Ni... Ils ne sont pas soussous. Ils sont pas... Ces gens-là, ils ne sont pas soussous. Ils ne sont pas malinqués. Ils ne sont pas forestiers. Je pense que c'est quatre personnes. Ils sont tous peuls. Le jour que Selou va prendre le pouvoir, moi, mort là, ici, là, je rentre là-bas, vous tous, mes frères et sœurs, soit vous quittez la Guinée, vous me laissez la Guinée, et je continue avec mon président légitime, son excellence Elhadj Mamadou Selou Dalen Diallo. Voilà, arrête, j'ai ma enfant, on s'est mis en nouvelle tana. Moi, j'ai pas ni pisser dans mes ardoutes, moi, regarde petit commentaire, et tout golfi. Premier ministre, ma ben, bah, il est en dit que pouvoir maninka, que pouvoir malinké, problème là. Mohamed Djani, quand on est bon de lundi, problème en faut qu'on maintenant, on s'est coulé. Il nous a dit que nous planifions que nous avons fait un peu de temps pour que le président de la République ait un peu de temps. Nous avons fait 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 un peu de temps. Nous avons Moi, c'est 500 millions de récupérés. Tellement qu'il y a des mauvais là, qu'on a formé un cabinet de combat, où il faut avoir 500 millions. Quand Alpha Condé, qu'on au respectateur Congo. 500 millions de rallye. On dit qu'il n'y a pas de para. Voilà, on va me retirer. Donc, c'est juste un peu ça. Que la lutte continue, que le combat continue. Vous êtes avec l'avocat international de son excellence. Et là, je m'amadou Selou Dalen Diallo. Que le combat continue. Morlaï Silla n'est contre personne. Je suis militant et responsable de l'UFDG. Tu défends l'UFDG, on est ensemble. Tu peux rester dans ton mouvement, dans ton parti, sans t'attaquer à Selou Dalen Diallo et à l'UFDG. Si nous avons notre adversaire, c'est Alpha Condé. Tu luttes contre Alpha Condé, on est d'accord. Mais tu ne peux pas dire que tu luttes contre Alpha Condé, tu es là maintenant à saboter Selou Dalen Diallo et que l'avocat international de son excellence, Elhadj Mamadou Selou Dalen Diallo, t'accepte ça. Je ne peux pas.